Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Donc nous sommes dimanche et il est 10h. On traîne un peu ce matin. On s'est levé vers 9h, là, les enfants et moi. Donc voilà, c'est cool, ils ont bien dormi. Il y a Louis qui sont en train de se battre pour le porteur, hein, le petit camion. Voilà, c'est pas grave. Voilà, moi je viens de me faire un shampoing, c'est pour ça que la tête bizarre. Là. Voilà, sinon quoi de prévu aujourd'hui? Donc aujourd'hui on va aller, enfin cet après-midi, on ira dans un parc de jeux pour les enfants, donc avec des trampolines, des parcours, voilà, enfin voilà. On vous emmènera bien sûr avec nous, voilà. Donc on espère que c'est bien ouvert parce qu'ils avaient été fermés la semaine dernière, je crois, pour inondation. Donc bah, si c'est pas ouvert, bah, on ira une autre fois. Ce matin, je vais continuer donc le tri des jouets avec Eliane, dans la chambre d'Eliane, je veux dire. Voilà, et puis voilà, je vais essayer de faire un peu les vitres aussi ce matin parce que elles en ont bien besoin. Et puis bien, il fait beau aujourd'hui, donc autant en profiter, voilà. Voilà. 11h15 et ça y est, j'ai terminé le tri dans la chambre d'Eliane. Je suis trop contente une fois que c'est fait, moi. Voilà, donc c'est cool. Elle a une chambre bien, enfin pas encore tout à fait rangée puisque j'ai pas encore les meubles d'IKEA quoi, mais du coup voilà, donc la semaine prochaine, enfin même aujourd'hui je vais regarder sur IKEA si je peux les commander les meubles, parce que bon nous IKEA le magasin il est à Lyon, donc il est à plus d'une heure de route, donc bon si je peux éviter d'y aller, voilà quoi. Donc on verra si je peux les faire livrer, sinon bah, faudra quand même qu'on aille à IKEA un de ces jours quoi pour récupérer un meuble quoi. Donc on verra ça, voilà, je vais regarder ça. Et puis là je vais pas tarder de faire cuire le repas de midi. Je pense qu'on va manger des courgettes avec je sais pas quoi. T'as du poisson, tiens, ouais, du poisson. Allez. Et donc la semaine prochaine j'attaquerai la chambre de Louis. Voilà. Et après il y aura encore toute la salle de jeu à faire. Donc là, voilà. Oui, ça fait 4 fois qu'il passe et qu'il me dit chut. Alors, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais. Il y a une petite là qui s'approche. Alors, on passe à table. Il est 1h20. Donc là, c'est Courgette et Colin d'Alaska. Pipi! Bon, les enfants sont toujours en pyjama. Hein. Pipi! Ça me dira tout à l'heure. Voilà. Alors, je vous reprends. Donc, il est 15h15. Le Louis, on a tenté de le coucher, mais. Aujourd'hui, non, pas de sieste. Donc voilà. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, j'ai essayé de regarder les. Enfin, j'ai regardé les meubles ou les modules de rangement. Voilà, ça s'appelle Trop Fast, la gamme, sur le site d'IKEA et je voulais en commander un. Mais alors, 24 euros de frais de port. Voilà quoi. Donc du coup, bah, on fera la route. Alors, comme on va à Dijon bientôt, du coup, peut-être qu'on. Je sais pas s'il y en a un à Dijon d'ailleurs. Si vous êtes de Dijon et sa région, dites-moi s'il y a un Ikea là-bas. Sinon, ben, on ira à Lyon quand on pourra. Quoi. Voilà. Voilà. Donc voilà. Puis j'ai fait un petit travail pour l'association d'hier. Donc voilà. Et puis là, voilà, on va préparer les enfants et on va pas tarder d'aller voir si le parc de jeux intérieur est ouvert ou pas. Voilà. Il est un peu plus de 16h, donc là on va au parc. Mais alors, je vous dis pas, il y en a deux qui sont surexcités là. Voilà. Take.
Thank you.
Mais c'est pas comme ça. T'as pas trop compris le principe, hein, mais bon, c'est pas grave. Tu descends quand même, c'est bien. Il est un peu plus de 18h, donc on revient du parc. Les enfants, ils se sont éclatés. Alors, vraiment, et puis c'était marrant parce que Louis, il descendait les petites pistes de luge, en fait, sans la luge. Alors, la luge devant, le petit derrière. Et en plus, en même temps, ça faisait bouh. T'es plié, mais plié de chez plié, quoi. Il était marrant, ouais. Donc, Louis, il se débrouille de mieux en mieux, tout de même tout seul, hein, je veux dire, maintenant. Voilà. Eliane, elle fait les parcours, hein, voilà, il n'y a pas plus de soucis non plus, donc c'est très bien, voilà. Donc c'est toujours des bons moments, ces parcours. Les enfants adorent, puis même nous, on aime bien là-bas, donc voilà. Donc ce soir, c'est pâtes au saumon et à la crème. À la grande maintenant. Allez, bonne nuit, ma puce. À demain. Ce repas pâte au saumon était vraiment excellent. Voilà, puis c'était une envie en plus ce soir, envie de femme enceinte. Les pâtes au saumon, il y en a, c'est les fraises, les framboises. Ben moi, non, c'est les pâtes au saumon. Un peu bizarre, mais bon. Voilà, bah dites-moi en commentaire, tiens, pour les femmes, évidemment, quelles étaient vos envies, vos envies alimentaires pendant vos grossesses. Ça peut être marrant. Moi pour Eliane, c'était la viande, toutes sortes de viande, même voire même des fois un peu pas saignante, mais normalement c'est pas très recommandé, mais même saignante ça me dérangeait pas. Évidemment j'ai évité, hein, mais voilà. Pour Louis c'était les fruits rouges, ouais, les fraises, les framboises, les myrtilles, les groseilles, enfin tous les fruits rouges quoi. Voilà donc. Voilà, sinon donc là il est 20h, Louis il est au lit, Eliane elle est en train de se coucher. Et puis voilà, moi ce soir je sais pas si je regarde Arrow peut-être, je sais pas, voilà. Et voilà donc après deux épisodes d'Arrow, je vous laisse sur ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Gros bisous, ciao.